monde, quelqu'un qu'on vivait pas, en cheminant sur la route, Marie est avec toi. Le Seigneur t'a comblée.
appelé. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Jésus, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Mère de la Sève. Amen. Ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons le courage. Ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons le courage. Sainte Lélie, priez pour nous. Sainte Lélie, priez pour nous. Sainte Lélie, priez pour nous. Thank you.
Là-haut, son nom est écrit là-haut, là-bas. Je voudrais te dire toute notre reconnaissance en ce soir. Toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. C'est toi, oh oui Seigneur, qui dispose toutes choses. C'est toi, oh oui Seigneur, qui permet toutes choses. Sans ton accord, rien ne peut advenir dans ce monde. C'est parce que tu le permets que cela advient. C'est parce que tu le veux que cela advient. Et je veux te bénir, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Je veux te bénir, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont là ce soir. Je veux te bénir, Seigneur, pour leur vie et pour leur âge. Je veux te bénir, Seigneur, pour notre vie et pour notre âge. Je voudrais t'élever, Seigneur. Je voudrais t'exalter, Seigneur. Au-delà de ce lieu, Seigneur, j'ai envie de t'adorer pour te dire que, oh oui, Seigneur, mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Et je crois que, Seigneur, mon Dieu, tu es vivant. Et je crois que, Seigneur, mon Dieu, tu es, Seigneur. Et que tu règnes sur l'univers. Tu règnes sur l'univers. Tu règnes sur le ciel et la terre. Et Seigneur, c'est toi qui règnes partout, Seigneur. Même Seigneur, dans nos vies, dans nos tristesses, Seigneur, tu es présent. Que je voudrais te bénir. Te dire merci. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Comme on le dit, notre âme est dans la joie. Soyez joyeux. Soyez dans l'allégresse. Parce que celui que nous suivons,
s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous enseigne qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors, nous allons partager cette séquence de l'évangile tirée de Jean au chapitre 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, je ne vous aurais pas dit que je m'en vais pour vous préparer une place. Quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai près de moi, de sorte que vous soyez là où je suis. Amen, amen. Amen. Je disais tantôt que ce que Jésus dit est vrai. Cette parole tirée de l'évangile nous dit ceci, que Jésus dit, il s'en va pour nous préparer une place. Et quand cette place-là sera prête, alors il reviendra pour nous prendre auprès de lui. Quand Jésus prononçait ces paroles, vous et moi, nous n'étions pas encore nés. Il parlait à ses disciples. Il parlait à Pierre. Il parlait à Jean. Il y a longtemps que ces personnes sont déjà décédées. Et je crois pour ma part que ces personnes sont auprès de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est parti leur préparer une place afin qu'ils soient là où leur maître avec qui ils marchaient, ils soient en sa présence. La Bible nous enseigne que pour celui qui croit, même s'il meurt, il vivra. Je voudrais que tu puisses te réjouir et que tu sois dans la paix. Parce qu'en réalité, Jésus a vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Considérons que lorsque nous quittons ici, bien sûr, pour celui qui aura fait la volonté de Dieu, il part directement dans la demeure qui lui a été réservée. Je suis venu te dire ce soir, n'aie pas peur. Paul pourra dire, la mort pour moi est un gain. Parce que justement, renouvelé par le Saint-Esprit, il comprenait ces choses-là. Il savait que Jésus lui avait préparé déjà une place et que cette place-là l'attendait. Mais pour y accéder, c'est pas la mort. La soi-disant mort qui est en réalité un passage désormais de gloire. Je voudrais te tranquilliser en ce soir pour te dire que même si notre sœur Anélie est morte, elle vit à jamais pour l'éternité. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. Parce que si sa demeure n'était
le Seigneur ne serait pas venu chercher. Le Seigneur ne serait pas venu la prendre. Dans le verset 27, Jésus dit, ne vous troublez point, parce que en retour, je vous donne la paix. Il sait que c'est douloureux, mais en même temps, il dit, je vous donnerai la paix. Alors pour celui qui croit, reçois la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit dans la tranquillité, soit dans la joie. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il dit, il veille sur sa parole pour que cette parole-là s'accomplisse. Alors je voudrais dire à quelqu'un, il n'est pas encore tard pour toi et moi afin que nous ayons une demeure dans la maison de celui qui a créé le ciel et la terre. Thomas dit, montre-nous le chemin. Il dit, vous connaissez déjà le chemin. Jésus dit, vous connaissez déjà le chemin. Parce que je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors, si tu veux, toi aussi, avoir une demeure auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ de Nazareth, je t'annonce qu'il n'est pas encore tard. Il n'est jamais tard avec le Seigneur. Toi aussi, tu peux emprunter le chemin que notre sœur Nelly a emprunté pour aller dans la demeure de Dieu. Alors, ce qui est réjouissant, c'est que nous savons tous par le témoignage que notre sœur nous a montré que nous sommes convaincus qu'elle est auprès du Père. Alors, si vraiment elle est auprès du Père, réjouissez-vous, soyez dans la joie, parce que demain, quand vous et moi nous irons auprès du Père, nous serons tous là-bas pour l'adorer et pour l'aimer. Alors, je prie que Dieu vous bénisse, qu'il vous console, accueillez sa paix qu'il donne, et que la gloire de Dieu rayonne dans votre vie, dans vos cœurs, dans vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, pour les personnes qui ont fait leur parcours, qui n'ont pas pu présenter leur conférence à la famille, alors nous allons donner le choix l'occasion de. Les personnes qui n'ont pas pu présenter leur condoléance, merci d'avancer. Alléluia, chantons, prions de joie.
Jésus qui est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, prions de joie. Jésus qui est sorti du tombeau. Galilée, Galilée. Nani moso sumu obisuye ayesuwe ayesuwe komana ayesuwe ayesuwe ayesuwe. Elle a vécu dans l'amour réel du prochain et dans l'hospitalité. Elle trouvait du plaisir à nourrir étrangers, frères et sœurs, car disait-elle, j'ai appris de mon père, mais ton frère et celui qui te veut devient un boudeur. Elle ne pouvait pas s'empêcher de dire les choses telles qu'elles étaient, comme une vraie chrétienne au style mongol. Elle nous a appris qu'il était difficile de faire confiance aux gens et que la vie serait facile si l'on pouvait faire confiance à son Dieu. Extrémiste d'un tomba à Zouk. Et une fois que tu trahis sa confiance, tu as exactement l'opposé à l'extrême. On entendait au loin, sous l'onde et sous les cieux, les résonances de ses remarques en sa présence, en approche, faisant sa peur, mais surtout harmonieuse, dans un amour pur et sans danger. Elle était souvent comparée à une jeune de la dizaine. En ce mot, elle disait : tel est notre souhait le plus cher. Merci. Thank you.
de notre maman Lélie. 50 ans de partage. 50 ans de joie. 50 ans d'amour. 50 ans de charité. 50 ans de convivialité. Elle a eu la grâce. Pendant ces 50 ans, de rencontrer l'homme de qui elle est sortie, la coque de qui elle est sortie, Papa Freddy. Je l'appelle les yeux brisés. Combien est douloureuse aujourd'hui cette séparation. 30 ans de vie de mariage. Imaginez que vous mettez votre enfant au monde aujourd'hui et il a 30 ans. 30 ans de vie de mariage. Il me disait un jour que ce n'était plus une épouse pour moi. Elle était devenue ma complice, ma confidente. Elle était plus qu'une épouse. Papa Freddy, nous comprenons ta douleur aujourd'hui. Connaissant notre maman Lélie, notre sœur, connaissant l'amour qui l'animait, nous sommes mieux placés. Toutes ces personnes ici témoignent de ce qu'a été votre épouse. Malotie, c'est ça qui est pour notre bien. Lélie, moi je l'appelais affectueusement Nelly. Je l'appelais Nelly. Et de tout le temps qu'on a passé ensemble, je vous promets que je ne l'ai pas vu véritablement se mettre en colère, se fâcher. De tout le temps qu'on a partagé ensemble. Aujourd'hui, le Seigneur demande. Nous sommes obligés de l'accepter. Nous l'aimions, mais le Seigneur l'a aimé plus que nous. Alors je vais appeler ici notre papa, le docteur Kadima, qui va venir aussi rendre son témoignage de ce qu'était maman Lélie. Lélie, c'était quelqu'un de spécial, vraiment quelqu'un de merveilleux. Elle avait un sens, un grand sens d'hospitalité. Oui, vraiment, la porte de sa maison était ouverte à tout le monde. Il n'y a personne qui est venu voir maman Lélie sans que cette dernière puisse proposer à manger. Elle aimait que quand tu viens lui rendre visite, tu puisses déguster ses plats. Vous voyez, elle avait encore gardé ce beau sens de maman. C'était vraiment une maman pour moi. Oui, moi, elle m'appelait toujours Toto. Vous voyez, ce grand frère en Chikoba. Pourtant, il n'était pas mon papa. Tous les temps qu'on a passé ensemble, quand elle venait tout avec son mari, c'est toujours mon toutou, mon toutou. Maman Lélie, c'était une femme courageuse. Oui, même pendant sa maladie, elle transmettait la joie.
Personne ne peut dire qu'elle est venue voir Maman Nelly pendant sa maladie et que Maman Nelly est en train de gêner. Jamais. Elle était restée stoïque. Devant la maladie, elle a été courageuse. Oui, je me rappelle, 4 jours avant sa mort, elle est venue lui rendre visite avec mon épouse. Elle m'a regardé, elle m'a dit, oui, c'était plutôt nous qui paierons, mais elle, jamais, il voulait montrer qu'elle pouvait abandonner devant la maladie. C'était quelqu'un de merveilleux. Tous les compatriotes de passage ici à Abidjan sont venus manger chez Maman Nelly. Elle ne savait pas distinguer. Oui, cette dame. Elle a hébergé plein de compatriotes. Aujourd'hui, beaucoup sont de l'autre côté. Aujourd'hui, quand ils apprennent que Maman Nelly n'est plus là, ce sont de pleurs dans le monde entier. Vraiment, la communauté pleure Maman Nelly. Maman Nelly, tu vas nous manquer. Du courage à la communauté congolaise. Merci. Papa Freddy, sois courageux. Je vous remercie. La tristesse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Acclamons pour la mémoire de notre Maman Nelly. Sincèrement, je vous remercie et je voudrais, avant tout propos, dire merci à, aux serviteurs de Dieu qui nous ont entraînés. Thank you.
frères et sœurs, tout protocole respecté, la grande famille Muzengo vous remercie de votre présence et votre soutien. C'est avec une grande émotion que nous avions appris le décès de Madame Maloti Nkomo Nelly, épouse Muzengo, que nous appelons affectueusement Maman Nelly, décès survenu le jeudi 14 mai à la clinique Bara à Marcoville. Dans ces circonstances douloureuses, je tiens à adresser à notre frère, Muzengo Freddy, au nom de toutes les familles, amis et connaissances ici et d'ailleurs, en votre nom, ici présent, et à mon nom personnel, nos condoléances les plus attristées. Oui, frère, Yako, notre frère, sois fort dans le Christ. Pardon, pardon. Quel est les autres côtés? Je tiens cette parole publique. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Oui, devant cette situation bouleversante, nous nous posons souvent la question de savoir comment je veux faire, sur qui compter pour reprendre la force. Et bien, la réponse est dans le psaume 120 que je cite. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le Seigneur te gardera pour le mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour. Fin de citation. Quand tu iras, quand nous irons accompagner notre sœur Maman Nelly à sa dernière demeure à Kinshasa, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur soit avec vous. Maman Nelly, Madame Muzengo, que tu as appelé et tu continueras à appeler amoureusement Petit Moumi. Eh bien, entre nous, entre moi et Fred, on avait ainsi surnommé nos femmes. Lui, Petit Moumi pour Maman Nelly, et moi, Petit Nzélé pour Maman Vicky. Oui, chers frères, un jeu très émouvant, nous découvrons qu'une grande émissaire de Dieu vient de nous quitter. À notre frère, Fred, dans cette tragique situation que vous traversez, sachez que nous pensons à vous chaque instant. Nous prenons part à votre douleur et nous vous témoignons notre profonde affection. Nous répondons présent à chaque femme qui nous fera appel. Aux frères et sœurs, nous ne saurions citer vos noms au risque d'oublier certains. Les grandes familles Muzengo, Nkomo, Mpani, Viala, Ingende, Yai, Iboula, Mutima, Louvambano, Lukunku, Luce, Luyendula, Kadima, Munoko, Machwa, Mbota,
Sengesh, les pères Simon, Saturnin et Gabriel. À Abidjan, Kinshasa, Atlanta, au Québec, à Paris et à Lille, me charge de vous transmettre leurs sincères remerciements. Nous vous remercions particulièrement pour votre contribution et assistance à ce moment d'angoisse et de tristesse. Malgré la situation d'urgence sanitaire que le monde entier vit actuellement, vous avez, par votre présence, vos messages, vos appels, vous avez su enfin nous réconforter. Un grand merci au groupe du Renouveau Charismatique, aux prêtres et à toutes ces bonnes volontés qui ont permis le bon déroulement des veillées de prière. Vous avez été tous d'un réconfort incontournable. Que son âme puisse trouver une place dans le royaume. Petit Momi, paix à ton âme. Soyez une fois de plus remercié. Oh,
Amen.